nous sommes chez Blazer au salon de la chasse de Rambouillet. Et quand on pense à Blazer, on pense également au Custom Shop. Et alors je suis avec Patrick qui, je crois, a fait appel au Custom Shop de chez Blazer. Vous avez fait quoi comme arme et surtout comme gravure? Alors j'ai demandé au Custom de me faire un F3, ouais. Donc un F3 calibre 12, avec une gravure Skull and Roses qui a été réalisée par Andreas Scholz. D'accord. Donc une très très belle gravure avec des gens très compétents, très professionnels. Et puis, un accueil donc, dans les locaux de chez Blazer. Vous êtes rendu chez Blazer? Oui, donc je vais t'inviter chez Blazer justement pour choisir les bois, choisir les gravures, voir un petit peu tout le panel de possibilités. Ok. Et donc d'après tous les éléments, on a déterminé une gravure, déterminé des bois et puis après c'est parti. C'est fait, tout est parti et puis on a reçu une magnifique arme donc aguerrée dans la Creuse. Ouais. Où est mon domicile et puis je suis très très content de. Entre le moment où vous avez eu l'idée de ce projet, où vous êtes déplacé ensuite chez Blazer et où vous l'avez reçu, c'est passé combien de temps? Quand on achète une arme de ce type-là, le temps compte pas vraiment. Non, justement, même bien au contraire. On a toujours hâte d'avoir une arme. Mais en fait, c'est pas tellement en temps qu'il faut le juger. Il faut le temps, vous voyez, un peu la gravure. C'est quelque chose de longue haleine, c'est du travail de précision avec des gens d'une compétence extrême qui, je pense, comptent pas leurs heures parce que. C'est tellement pointu, tellement difficile et tellement joli ce qu'ils font que en fait, le temps qu'on peut par rapport au travail. L'important c'est au final que tout le monde soit content. Et alors justement, le jour où vous avez reçu votre arme, qu'est-ce que vous avez eu comme sentiment, comme émotion quand vous l'avez reçu? C'est un petit peu comme un enfant qui découvre le pied du sapin de Noël. Surtout que c'était pour Noël, quasiment. Voilà. Surtout que c'était un peu pour Noël. Effectivement, ouais. C'est quelque chose de très agréable, c'est toujours émouvant de voir, parce qu'on s'imagine les choses, ouais. On a vu des photos, on a vu des bois, on a vu des présentations, mais on n'a pas vu l'assemblage. C'est ça. Donc on s'imagine plein de choses, on se visionne des choses, et puis arrive l'arme, et puis là, on reste un petit peu bavard, un petit peu subjugué, et on découvre, mieux que ce qu'on avait imaginé. Mieux que ce qu'on avait imaginé. Donc ça veut dire que le travail a vraiment été vraiment, très bon. C'est vraiment très grand professionnel. Julien, il y a beaucoup de personnes qui viennent comme Patrick vous voir et qui viennent ensuite chez Blazer pour ensuite se faire l'arme un peu d'une vie finalement. Du monde, tout est relatif parce que c'est des armes quand même exclusives. Mais oui, Blazer, Custom Shop, que ce soit régulièrement des clients, que ce soit de la France ou d'autres pays. Nous, on a un service privilégié avec chaque client, parce que c'est une arme unique. Donc, comme l'a dit Patrick, on fait un assemblage entre un bois, une gravure. Donc, il faut vraiment travailler avec le client sur son projet, le type de gravure qu'il veut, toutes les options qu'on peut proposer, parce que c'est vraiment de la personnalisation, les initiales. On a des clients qui nous envoient des photos, par exemple la photo de la tête d'un chien, parce qu'il voulait sa tête de chien sur la calotte de son arme. On a des gens qui sont assez bons en dessin, qui vont nous faire un croquis d'une gravure pour ensuite la transmettre au graveur. Parce qu'ensuite, lui, le graveur fait un croquis, comme on peut le voir, à la main, avant de dégrossir et de faire les contours de la gravure sur la bascule de l'arme, pour ensuite venir dans le détail, pour graver les fonds creux, graver un animal en taille douce. C'est vraiment unique. Et ça peut se faire sur plein d'armes différentes, un F3, une K95 ici, un F3, une R8, un Express, un Bog Dilling, voilà, n'importe quoi. On peut décliner un petit peu sur tout. On a des clients qui aiment bien avoir des gravures que sur la culasse, d'autres sur les canons. C'est totalement personnalisé, qui est le principe du Custom Shop. Parfait. Nous, on met vraiment l'accent sur le service. On accompagne nos clients chez Blazer. C'est une expérience sympa d'aller chez Blazer. On a notre interlocuteur Daniel qui nous reçoit, ouais. On est très bien reçu. On a Yann qui est le directeur du Custom Shop aussi qui est là. On a Ralph maintenant qui a été recruté récemment chez Blazer qui grave à plein temps. D'accord. Donc ça permet aussi de discuter en direct avec un professionnel qui fait ça qui est tous les jours chez Blazer pour graver. Donc quand on a des questions, quand on veut modifier un croquis, il peut tout à fait, demi-heure, nous refaire un croquis. Une fois qu'on a validé tout avec le client, on fait un récapitulatif de la commande. La commande part chez Blazer.
il y a toute une spécification sur chaque détail, ouais. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Quoi. Bien sûr. C'est vraiment pointilleux. Ouais. Ensuite, l'arme est mise en production, et ensuite elle est envoyée à la gravure. Voilà. Ensuite, elle revient chez Blazer pour tout ce qui est traitement et finition. Et puis, on en reçoit en règle générale dans un délai entre 8 et 10, 12 mois. Ça dépend de ce qu'il y a. Mais comme disait Patrick, voilà, on a le temps d'attendre, on a le temps d'imaginer plein de choses et c'est ce côté-là qui est, tout à qui fait. Est assez sympa. Donc, voilà. Nous, on garde toujours contact avec le client en disant voilà, le projet avancé, on sera sur les délais annoncés. Voilà. Oui, on est au courant des choses parce qu'on est. Il y a une évolution. Voilà, très bien. La crosse est prête, les gravures avancent. Il y a un côté sympa. On se fait sa propre création. Donc, si tout comme Patrick, vous avez envie de faire appel au Custom Shop de chez Blazer, c'est très simple. Vous sollicitez Rivolier, vous sollicitez les armuriers qui travaillent avec évidemment Rivolier. Et comme ça, vous pourrez, tout comme à l'instant, avoir une très très belle gravure sur une arme de chez Blazer.